mort. Mon frérot, faut tout t'arrache. Connais des rats qui avaient le talent, qui finissent par ta pérache. Trop de peine, mon frérot, j'ai trop la rage. Un deck à les poulettes, ouais, qui tourne dans les parages. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Cette équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis. Oh l'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je suis le groupe se passait entre hier soir et aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on va parler de Booba. Puisqu'en fait, Booba il a repartagé la vidéo que Sadek il avait fait il y a 2 mois. Où en gros il lui donnait rendez-vous. Bref, et ben Booba il a écrit: Sadek, on t'a gardé la meilleure table, viens avec ta sécu, c'est une grande table. À demain, il y aura Maïva en plus, je te la présenterai. Je te mets le flyer juste après. Donc voilà. Ensuite, Booba il a réagi au message vocal que je vous ai mis dans ma vidéo actu d'hier. Et comme tu peux le voir, Booba en fait il est en train de dire comme quoi ça serait Ruby Nicara. Bref, comme tu peux le voir, Booba il a écrit: Sadek il fait appeler Ruby la skisse pour se faire passer pour ma manageuse. Avec plusieurs semaines les bords de rire. Te fatigue pas gros sac, ta table est bookée demain. Et comme tu peux le voir en fait, ben il répondait à la publication de Sadek qui disait: ils veulent pas, trois petits points, t'es venu pour rien. Continue à regarder les stories de ma femme avec plusieurs smileys bord de rire. D'ailleurs, ce soir, c'est nos 3 ans de mariage. On va fêter ça. Je suis pas riche, mais j'ai 200 euros. Si tu veux chanter pour nous, beau gosse, t'es le bienvenu. C'est le expertise, tout simplement. Et regardez la vidéo en comparant les voix. Parce que j'ai besoin de quelqu'un, du Wayne, un manager, qui peut me confirmer s'il est possible de booker un artiste pour performer chez vous. L'artiste en question, c'est Booba. Je suis en relation avec son assistante et donc on est en train de chercher un endroit pour le faire performer. Dis-moi si je peux voir avec toi, ce serait très bien, ou sinon si tu peux voir. En fait, honnêtement, je l'assume complètement, du sens où quand j'ai de l'inspiration, on peut même demander à la personne avec qui je bosse, donc qui compose un peu. Voilà, donc voilà l'équipe. Après moi, tu vois, personnellement, c'est vrai que les deux voix se ressemblent, tu vois, mais on peut pas juger du fait qu'il n'y a pas de visage, on peut pas dire c'est elle, bref, t'as capté quoi. Ensuite, Booba, il a partagé une vidéo de Mounir Mouy qui s'est fait frapper par Kamel Tatouage. Car en fait, Mounir, il disait comme quoi Kamel Tatouage, il était venu en équipe, etc. Et en fait, c'est une histoire qui date de 1 ou 2 mois, en fait, depuis qu'il est à Dubaï. Bref, et ben la vidéo, en fait, elle vient de ressortir et c'est Booba qui l'a publié sur Twitter. Et dessus, on voit bien que Kamel, en fait, il est tout seul à se frapper contre Mounir, tu vois, et que les gens, en fait, ils séparent, tout simplement. Après, je vais vous éviter de la partager sur YouTube, puisqu'en fait, les séquences-là, bah, YouTube n'accepte pas, tu vois. Mais vous pouvez déjà les retrouver sur tous les réseaux, etc. Et même sur la page vidéo Rap FR. Il était temps qu'elle sorte la vidéo. Alors je me suis mangé une claque, je suis tombé. Non, c'est moi qui ai glissé de moi-même. Après, une fois que t'es par terre contre des montagnes de muscles comme ça, tu peux rien faire. Ensuite l'équipe, on va parler de Sadek, puisqu'en fait Sadek il a laissé un message vidéo à Booba et à Mounir, car en fait beaucoup de gens pensaient qu'ils étaient ensemble, alors que pas du tout. Bref, regardez. Il y a quand même un truc dont j'aimerais parler parce que c'est important et qu'il y a personne qui va parler pour moi. Je suis un grand garçon, je vais m'exprimer. Moi ça ne m'amuse pas, ça me fait pas rigoler, j'en ai rien à foutre du buzz, je m'en bats les couilles de tout. J'ai toujours mené ma vie en dehors de la musique, en dehors du cinéma, et je me suis toujours bien porté, alhamdoulilah. Maintenant ne vous inventez pas de vie, je fais que de répondre, je fais que de me défendre. Je suis pas une victime, je suis pas une salope, au gré de que ça vous plaise pas, c'est comme ça, je l'ai jamais été, je le serai jamais. Tu viens, tu me casses les couilles, tu mentionnes ma femme, tu mets mon petit sur internet. Des fois c'est vrai que je suis un peu émotionnellement instable. Donc je peux craquer, voire même aller dans la réalité, mais je me contiens, Dieu merci. Mais vous, ça vous plaît pas ça. Vous, ce qui vous ferait plaisir, c'est que je finisse au placard et que tout le monde rigole. Ça va pas se passer comme ça. Ça, c'était avant ça. Ça, ça arrivera plus. Maintenant, vous êtes content, vous êtes pas content, c'est la même chose. Je vous en veux pas. Ça vous arrange de penser comme ça. Je suis en train de lui faire énormément de mal. Il est venu en France, il y a pas de showcase. Ferme ta gueule, je chante pas. Il est venu ici à Dubaï, j'ai pas parlé. Y'a pas de showcase, tu chantes pas. La bouqueuse affolée, ouais, il faut un nouveau showcase pour le duc, le Nick t'es mort. Nick t'es mort. Tu chantes pas, ferme ta gueule, organise. Je traîne ici avec Maïva Guénam et Marc Blatta. Attends, resituons. Maïva Guénam qui suppose au petit Russ de se refaire la gueule, de ressembler à des Bogdanov, de se refaire la minche pour avoir comme une petite de 12 ans. On est à la limite de la pédophilie, mais ça dérange personne. Marc Blatta qui a organisé des cagnottes. Il a niqué des gens à hauteur de 10, 15, 20 000 euros, qui tous les jours est en train de niquer des gens, qui vit lui et sa femme sur ça. Et en plus, attends, c'est pas les gens qui niquent. C'est les pauvres. C'est les pauvres de France. C'est ceux qui ont de l'espoir, ceux qui ont des rêves, qui pensent qu'ils vont s'enrichir, c'est eux qui niquent. Et votre idole, Booba le rappeur, il traîne avec lui. Ici. Pleine gueule. Et ça, ça vous dérange pas. Ça, ça vous fait rien du tout. Mais moi, vous venez me casser les couilles à moi. Moi, vous venez que me casser les couilles à moi. Vous voulez quoi? Que je la ferme gentiment comme les autres, que je laisse passer l'orage. Peut-être qu'ils sont plus intelligents. Moi, en tout cas, je suis sensible. Ça me touche. Quand on mentionne ma femme qui a
Ma mère a demandé à ma femme, vous l'avez jamais vue sur les réseaux. Elle est jamais venue pia-pia sur les réseaux. Mais vous, ça vous dérange pas, vous. Quand il mentionne ma femme dans sa story, ça fait rire le peuple. Quand il met mon fils dans sa story, ça fait rire les gens. Tout ce que vous voulez, entre deux branlettes, hein, les gens qui veulent ça, hein, c'est ça, c'est des branlettes. Après, peut-être que c'est des gamins de 14 ans. Moi aussi, quand j'avais 14 ans, j'étais une sacrée truffe. J'étais une sacrée truffe quand j'avais 14 ans. Ça m'amusait tout ça. Mais j'en vois beaucoup qui viennent, qui me remercient dans la vraie vie, dans les DM, dans les commentaires. J'en vois plein. Pour vous que je le fais. Et vous le savez. Et vous avez un vrai soldat avec vous. Vous n'avez pas une trompette. J'ai pas reculé. Je devrais dire eux, parce qu'en vrai, il y a beaucoup plus de gens comme nous que de gens comme eux. Il y a beaucoup plus de gens connectés à la réalité et qui sont très contents de ce qui se passe. Ils savent que tout ce qu'on a fait, c'est réel. C'est réel. Moi, je suis conscient, les amis, qu'il y a énormément de gens qui me détestent et c'est normal. C'est logique. J'ai touché leurs idoles. Vous savez ce que c'est d'être fan? Non, vous le savez pas. Parce que nous, on est fans de personne. On est la fine. Eux, ils sont fans. Quand t'es fan, même ta daronne, tu peux lui jeter un verre dans la tête si elle parle mal de ton idole. Ça leur passera. Ayons de la compassion pour eux. Nous, en tout cas, on a toujours marché. Pas de rien, rien, rien. Même si je sais bien faire le vague, je reste B-Boy. Toujours pour l'amour du hip-hop. Mais c'est Jojo le breakdancer. Je t'embrasse. Quand même, il n'y a pas un moment où ça fait tilt. Marc Blatta. Il traîne avec Marc Blatta. L'autre, il est content. Au moindre truc, il le poucaverait, les deux, ils se retrouvent au Comico. Mais non, mais c'est lui, mais c'est lui. Et le Condé en face, je sais pas, vous êtes tous les deux chauves. J'embarque les deux, moi. Non, s'il vous plaît. Deux rigolos, bien entourés, d'une belle sécu, qui doit se tirer les cheveux des fois face au rigolo qu'elle a en face d'elle. Mais ça reste des rigolos. Tu as donné le rendez-vous à la dame 16. 16h, 15h58, c'était le FBI, bro. La DEA, la CIA. Moi, je veux pas voir les hommes en bleu. No. Surtout ici, j'ai peur de la police. J'en connais des gens, ils sont partis en prison pour très très peu de... Ça pour dire, hein. Parce que le plus important, c'est de vous dire une chose. Ne vous mentez pas à vous-même, s'il vous plaît. Je ne fais que de me défendre. Tiens, s'il faut le répéter encore une fois, je ne fais que de me défendre. Je n'ai rien demandé. Quand il a vu qu'il y avait un buzz, il a voulu venir. C'est un affolé. Ensuite, l'équipe, je tenais à remercier Espon et JD pour son invitation d'hier à la release party. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. Et c'est vraiment un bon gars qui se prend pas la tête, malgré son buzz, etc. Donc vraiment, merci à lui, rien que pour ça. Et ouais, pour ceux qui ont pas vu ma story Instagram, hier, en fait, c'était une soirée privée à Paris, organisée par l'équipe de Espion, pour la sortie de son album Sourou 2 partie 2, qui est disponible depuis vendredi. Et il y a eu plein de shows, etc. Donc franchement, merci à lui et à toutes les personnes, justement, qui étaient présentes, qui ont fait les shows, etc. J'ai tout filmé, je vais vous passer des petits passages. TV, pour ceux qui le connaissent, il fait l'actualité QLF tous les semaines. Un peu tout, ouais, vraiment, rap français. Donc voilà l'équipe, franchement ça m'a fait grave plaisir, malgré que Paris c'est pas la porte d'à côté, tu vois. Mais pour les trucs comme ça, franchement le chemin il compte pas, t'as vu, les trucs comme ça, ça compte pas. Et franchement ça fait grave plaisir. Et je vous invite encore à aller voir son album Sourou 2 partie 2. Je le mets dans la description pour les personnes intéressées. Ensuite l'équipe, on a Bosch qui a dévoilé le nom de son prochain album qui va s'appeler Algorithme. Et on n'a pas encore de date de sortie, mais je pense que c'est pour bientôt. Ensuite l'équipe, là j'ai une bonne nouvelle pour les fans de Gambi. Il y a pas longtemps on a parlé de lui justement parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et ben là il a tourné un clip pas loin de Roubaix et il a zoné en tank dans la rue. Son retour il va être vraiment chaud, je pense. Regardez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. L'équipe.
ta rage. Connais des racks avec le talent qui finissent rabat à pérage. Trop de peine, mon frérot, j'ai trop la rage. Un deck à les poulettes, ouais, qui tourne dans les parages. Trop paro, trop méfiant, toi, Pélo, je te connais pas. La vie de ma mère, que des soucis, j'en ai eu plein. Ici, on était beaucoup à grandir sans papa pour amener du blé. On en a vendu des pains, c'est pour nos familles endettées. De sa faute avant, plein. Du truc. Voilà l'équipe, c'est pas si on trahir ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couteaux longtemps, n'hésite pas à mettre un petit peu de soutien les références. Dis ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre le commentaire, tu m'as donné 3 pures là, c'est juste pour référencement. Enfin bref, je te tiens sort pour une micro sur une belle vidéo et une nouvelle exclu. Bref, l'équipe, peace les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé le sommeil. La lumière est loin, mais pour ça qu'on persévère. J'ai pas mon père, mais j'ai la force de ma mère. À trop traîner avec des merdes, ça laisse des verres. Je suis au violet et d'un coup je repasse au vert. Je suis pas le gars le plus coté mais j'en suis fier. Et quand ça part de moi, ils sont toujours 5 ou 7. Je m'en bats ma double fâche, je me mords la cassette.